Nous sommes de retour sur le plateau de ETV Service. Oui, après une ambiance de feu, une ambiance de folie, ça se passe comme ça. Chez vous, on vous ambiance. On était justement sur le thème tout à l'heure du cancer Octobre Rose. Et bien sûr, on va en parler, on va continuer d'en parler avec une association qui s'appelle Winnie Winnie. Donc, je reçois tout d'abord Marcel, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que ça va? Très bien. Bien installé? Tout à fait, tout à fait. Et je reçois aussi une membre de l'association, Angela. Bonsoir. Est-ce que ça va? Impeccable. Bien installé? Bien installé. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'hésitez. Hein. Mm-hmm. Comme pour les autres, je vais vous chercher de l'eau, du café. On est là, on met tout le monde à l'aise. Super. Donc déjà, petite présentation de l'association Winnie Winnie. Ce n'est pas Wainé, si vous voyez manquer de nom, ce n'est pas Wainé les enfants. Donc déjà, que signifie Winnie Winnie? Alors Winnie Winnie, entre ciel et mer. Entre ciel et mer. Quand on va avancer, vous allez comprendre davantage pourquoi Winnie Winnie. Bien. Et nous sommes un groupe de citoyens. D'accord. Nous sommes donnés comme projet d'accompagner les personnes en rémission du cancer du sein. D'accord. Voilà, nous, notre slogan, c'est « Vivre après le cancer ». Vivre après le cancer. Vivre beau, après le cancer. Ah, d'où entre voilà. Ciel et... Ah, je... Alors, okay, on commence à comprendre. Notre slogan, c'est « Vivre après le cancer ». Ouais. Et notre devise est « Des mains, café en toche ». Vous devez comprendre. Des mains, café en toche. Vous pouvez traduire aussi pour nos touristes, parce qu'ils viennent de partout et je pense qu'ils ne comprennent pas. Alors, à toi, Angela. C'est toi la traductrice. Ah là là. Alors, littéralement, oui. Ça veut dire que demain, il faut absolument demain pour pouvoir confectionner une toche. Une toche, c'est une coiffe particulière. Yes. Créole. Et donc, ça veut donc dire qu'on a besoin de l'un et l'autre pour pouvoir avancer, aller plus loin dans notre chemin de vie, et que tout seul, on n'y arrive pas. Donc c'est un mec à la vélote. C'est un peu l'équivalent de ce... Traduction d'un mec à la vélote. Alors, traduction littérale. Toujours, là on est passé en mode créole. Traduction littérale, hein, vraiment mot à mot, c'est que j'ai besoin de mes deux mains, que l'une pour laver l'autre, d'une main pour laver l'autre. Voilà. Voilà. Il faut s'entraider. Une main ne peut pas se laver toute seule. C'est pas possible. Voilà. Sinon, vous galérez. Un peu de savon. Voilà, ça mouille le coude, ça mouille le pantalon, ça coude. C'est pas agréable. Voilà. Okay. Donc, on a besoin les uns des autres. Et l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de frontière entre la personne qui est en rémission. D'accord. Et l'accompagnateur ou la famille ou tout simplement l'individu qui est intéressé par cette question. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait une union entre nous deux parce que il y a des associations spéciales malades entre guillemets, ouais. Mais nous notre particularité c'est que vraiment on appelle tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par cette cause de vivre après le cancer à venir nous retrouver. Que tu sois malade ou pas, c'est pas le problème. Que tu sois en rémission ou pas, c'est pas non plus notre objet. Notre objet c'est on se rassemble pour vivre. On se rassemble voilà. Pour vivre, c'est beau, c'est énergique. Quel âge a l'association? Alors, nous sommes retrouvés en 2012, depuis d'accord. Avril 2012. L'association crée des événements et propose à ses membres une activité physique régulière, d'accord. entre autres, et des activités exceptionnelles, ponctuelles, exceptionnelles. D'accord. Bon, le ciment de notre association, c'est que nous faisons du kayak. Kayak. D'accord. Entre ciel et mer. Alors, déjà l'image est passée. Qu'est-ce qu'on fait? On pagaie. D'accord. On pagaie avec le courant, on pagaie un petit peu à côté du courant, on va en mangrove. On respire l'air marin, on se trouve dans notre environnement privilégié, qui est la mer, qui est le littoral, et rien de mieux que ce bain de jouvence pour se ressourcer un peu.
Est-ce que ça ne fait pas envie? Ça fait envie. Et rien que d'y penser, déjà, je me sens bien, je me sens... Mais justement, en quoi ça ressource quelqu'un? En quoi ça lui fait du bien? Est-ce que c'est justement la nature, justement, le fait de se retrouver dans cet environnement? Est-ce que c'est prouvé que ça aide? Est-ce que ça... Il y a eu déjà des exemples de... Ouais, je vois que vous acquiescez. Absolument, bien sûr. Ça fait du bien. Oui, oui, oui. Le kayak, c'est un sport très complet. D'accord. Qui fait donc travailler l'ensemble des muscles du corps. Exactement. Mais également aussi les poumons, le cardio. Mmh. Donc, on travaille vraiment... physiquement, sans être dans un fonctionnement par à-coup, c'est-à-dire que c'est très doux, d'accord, c'est fluide, ce qui permet à tout le monde de pouvoir pratiquer cette activité, parce que ce n'est pas une activité qui va demander une force physique intense, bien au contraire, plus on est fluide, plus on est en harmonie avec sa pagaie et son embarcation, plus on avance en fait. C'est limite un sport de peine. On est vraiment dans une activité physique, mais qui va nous permettre de nous détendre. D'accord. Et non pas de nous exciter un peu plus, mais au contraire, de pouvoir être beaucoup plus en paix. Et bien entendu, le contact avec l'élément nature être extraordinaire, puisque l'eau, c'est quand même notre mère... d'origine, c'est-à-dire qu'on vient de l'eau, même si bon, on oublie un peu, mais on vient tous de l'eau. Les quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Les premières cellules vivantes, elles se sont introduites au niveau de l'eau. Donc voilà, donc contact avec l'eau de mer, contact avec la nature, on remonte la rivière parce qu'on est sur Voyave, donc on remonte la rivière. Dans les oiseaux. On entend les oiseaux, on voit les palétuviers, c'est extraordinaire. Et donc la nature a beaucoup à nous offrir et gratuitement en plus. C'est cadeau. C'est cadeau et on n'en profite pas suffisamment malheureusement. Et c'est bien dommage parce que oui, quand vous revenez de là, on se sent bien. Ah, c'est extraordinaire. Je vous dis, nous quand on va là-bas, on va chercher le plaisir. Et vous donnez envie d'y aller en plus. Voilà. Et vous faites donc vous le faites régulièrement. C'est tous les week-ends, une fois par mois. Comment ça se passe? Tout le monde peut venir. Comment fait-on? Tous les week-ends, tous les samedis matin. D'accord. Nous sommes sur la base de Goya, voile 44. Ok. Et nous partons en randonnée, kayak, avec nos pagaies. D'accord. Bien sûr, il y a tout un... Bon, on arrive, on vient à la cérémonie du bonjour, ouais. Il y a... voilà, qu'est-ce qu'on va faire, on cause un petit peu, tout est là-dedans. D'accord. Cette convivialité, cette envie de partager un moment de plaisir pour notre bien à tous, parce d'accord. que voilà, ça, tout le monde sera content de rentrer à la fin de la matinée avec ce bain de jouvence qu'on aura pris... En plein air. Excellent. Alors, je vois en plus que vous organisez, parce qu'elles ne font pas que du kayak, vous organisez une journée le dimanche 27 octobre. Donc, ce dimanche, oui. Encore une fois, déplacez-vous, sortez. Alors, comment ça va se présenter? Ça sera une marche? Ça sera... Comment est-ce qu'on participe? Dites-nous tout. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on créait des événements exceptionnels. Eh bien, le voilà. Le premier événement exceptionnel que nous organisons, c'est la clôture de Octobre Rose. D'accord. Le dernier dimanche du mois d'octobre, okay. Eh bien, nous appelons tout le monde à venir avec nous tranquillement faire une randonnée pédestre, okay. Toujours dans le même état d'esprit, tranquille et plaisir. Okay. Randonnée pédestre dans les rues de Pointe-à-Pitre. D'accord. Et qui va nous amener tranquillement à faire cette petite randonnée? Le groupe Akio. Why? Maman, ah ouais, là, maman masse. Voilà. Donc, nous partons, rendez-vous à 7h. Nous partons vers 7h30, 8h. Ok. Nous avons déjà... De Paul Chanchon. Nous avons déjà fait connaissance, on s'est déjà dit bonjour, parce que vous savez, il y a la cérémonie du bonjour, et il ne faut okay. pas rater cette cérémonie du bonjour. Justement, qu'est-ce que la cérémonie du bonjour? Tout à l'heure, vous en avez parlé. Mmh. Donc, non, vous n'allez rien me dire. Venez. Venez, Winnie. Mais Winnie est là Winnie. Pour vous donner toute cette cérémonie du bonjour. Donc si on veut savoir, très important. Donc si on veut savoir, il faut venir. Mais bien sûr.
Vous piquez notre curiosité, là. Absolument. Oh là absolument. Là là là. Donc, rendez-vous, donc, dimanche 27. Oui. Rendez-vous à 7h pour la cérémonie du bonjour. Oui. Départ, Paul Chanchon. Paul Chanchon. À Pointe-à-Pitre. Randonnée pédestre dans les rues de Pointe-à-Pitre. Avec Akiyo. Donc, le rythme, il sera élevé ou ça sera accessible à tout le monde? Alors, c'est toujours accessible à tout le monde. D'accord. Nous sommes en randonnée tranquille, plaisir, balade. Akiyo est là pour nous donner une cadence, mais qui est appropriée à notre état d'esprit. Ok. Hein? Donc, venez pas tout énerver, genre, mâchez nous vin, mais non. Non, non. Non. Les poussettes sont autorisées. C'est d'accord. Voilà, il y aura des enfants. Ah, donc c'est vraiment ouvert à la famille. Ok. Et on peut venir avec sa poussette, son bébé. Voilà, on démarre tranquillement en préambule du carnaval qui arrive un peu plus tard. Hein, mais là, c'est pas du carnaval, c'est vraiment c'est une marche santé. Donc, on prend le temps de découvrir Pointe-à-Pitre. D'accord. On prend le temps d'apprécier le son d'Akiyo aussi, parce que ben, du coup, on va bien entendre les leaders qui vont bien jouer pour nous. En plus, c'est donc on pourra voir, ben oui, parce qu'ils en profitent aussi du coup pour pouvoir nous donner des petites exclusivités, on va dire, musicales. Ah. Donc on prend vraiment le temps d'apprécier le son et le paysage urbain, parce que c'est vrai que c'est aussi un beau paysage que Pointe-à-Pitre, ville d'arrêt d'histoire. Exactement. Et alors, même si de temps en temps, bon, on entend que ça brûle un peu de ci, de là, de part mais Pointe-à-Pitre reste une belle ville. Exactement. Donc voilà, on chante et on peut danser. La rue est à nous. Vous serez libre. On en profite. On en profite un maximum. C'est excellent. Donc, la participation est de 5 euros, participation modique, avec une collation qui est proposée. D'accord. Et avec la marche, bien entendu. Et il y a un plateau d'artistes au retour de la marche, avec une tombola et pas mal d'artistes qui vont. Francis Bertelli qui va venir chanter pour nous, et Dimiat. Donc, voilà. Donc, on a pas mal d'artistes qui seront là, qui vont aussi nous donner. Du bon wainé pour la suite. Voilà, c'est ça, le wainé. Wainé là. Donc c'est jusqu'à quelle heure en fait? Mais c'est jusqu'à midi et demi. D'accord. On marche tranquillement et puis après on se retrouve. On fait la fête. Oh. Voilà. Donc déplacez-vous. Ça se passe dans les rues de Pointe-à-Pitre ce dimanche. Ouais. Une marche pédestre avec Akiyo. Tout le monde peut venir, même les poussettes. Donc n'hésitez pas. Oui. Déplacez-vous, sortez de chez vous. Et il y aura même des artistes. Voilà. Ah oui. D'ailleurs, je pense qu'en petit écran, on va mettre le clip d'Ubout, justement, histoire de commencer à vous ambiancer et tout. Oui, oui, les artistes ont vraiment répondu à l'appel pour ce clip. Et vous avez l'occasion de le découvrir entièrement sur Facebook et sur YouTube. YouTube, bien sûr. Vous tapez en Ubout et vous tombez sur le clip. Mais c'est vrai que je les remercie encore une fois. Vous les remerciez infiniment. Je profite de l'occasion pour les remercier au nom de l'association. Tout à fait. Parce que vraiment, ils ont donné un maximum. Il y a énormément. Il y a 21 artistes qui ont participé à ce clip. Formidable. Oui. Donc, c'était vraiment une très, très belle aventure. Le CD sera en vente également dimanche pour ceux qui veulent l'avoir à la maison et pouvoir le réécouter en boucle, parce que ça a apporté beaucoup de nos membres, beaucoup de nos sympathisants qui ont dit « Ah, mais... grâce à ce clip, ben, j'ai retrouvé la pêche », parce que vraiment, c'est une très belle chanson. D'accord. Et les artistes ont vraiment fait une belle participation au niveau de ce clip, de cet album. Enfin, c'est pas un album, mais de ce clip. Mais c'est une production. Voilà, d'ailleurs, c'est ça, on le voit là dans le petit écran. Donc, n'hésitez pas, sur YouTube, vous tapez « Dubout ». Vous y allez. En Dubout. Voilà. Et si vous trouvez pas, ne vous inquiétez pas, vous allez aussi. Vous avez une page Facebook, si je ne me trompe pas. Donc on va vous donner l'adresse tout à l'heure, mais pour l'instant, likez le clip, partagez le clip. Et n'oubliez pas, dimanche 27, ça se passe dans les rues de Pointe-à-Pitre. Alors, est-ce qu'on sent les Guadeloupéens de plus en plus s'impliquer, je dirais, pour votre cause? Est-ce parce qu'on voit Octobre Rose partout, et on a vraiment l'impression que tout un chacun en Guadeloupe se mobilise, participe à sa façon et en parle aussi. Mm-hmm. Est-ce que vous le ressentez, vous? Oui, c'est une cause qui touche toutes les familles guadeloupéennes. Mm. Toutes les familles sont concernées. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une famille qui ne soit pas concernée par cette cause. Mm-hmm. Et donc, oui, ils sont de plus en plus intéressés et on les invite à de plus en plus s'intéresser. D'accord. Parce qu'il y a une belle vie après le cancer. Et il faut pouvoir le dire haut et fort, et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui témoignent de ça.
Parce que souvent, quand on entend cancer, on pense mort, souffrance. On pense négatif. Négatif. Alors que, heureusement, la médecine a fait énormément de progrès. Donc, derrière cette annonce terrible, il y a une belle vie qui vous attend. Et il faut que tout le monde en entende. Rebondir. Et... Il faut pouvoir rebondir. Ce n'est qu'une épreuve, en fait, comme une autre dans la vie. Mais que derrière, une fois qu'on a vaincu cette épreuve, on est bien plus fort. Ah, donc, vous redonnez la pêche, en tout cas. On vous écoute, on a la pêche. Mais c'est le but, c'est le but. C'est pour ça aussi que l'on est en orange et que dimanche, on vous invite à venir en orange. Ah, parce qu'il y a un dress code. Ouais, il y a un dress code. Ah, attention, attention. Et nous aurons également sur place des t-shirts en vente pour ceux qui voudront. Mais venez en orange avec le t-shirt de votre choix. D'accord. Il n'y a pas de souci pour pouvoir lancer des rayons de soleil, des rayons de vie dans tout Pointe-à-Pitre. Illuminer la ville de Pointe-à-Pitre. Et oui, même s'il pleut, vous sortez sous les sondages, de toute façon, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Nous, des wow. Il fera beau de toute façon. Le sondage va chasser tous les petits nuages. Exactement. Et il n'y aura pas de souci. On salue bien sûr Akiyo. Et merci pour le travail que vous faites. D'ailleurs, si on veut vous aider, si on veut participer, où déjà peut-on vous contacter? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Est-ce que vous avez Facebook? Est-ce que vous avez un site internet? Alors oui, on a un numéro de téléphone, 06 90 34 31 62. Ok. On a un Facebook, W-E-N-I-W-I-N-E et le chiffre 1 derrière. Pas oublier parce que... il y a plusieurs Wenyi Wuné en fait. Exactement, donc n'oubliez pas le chiffre 1. Le chiffre 1, et vous tombez directement sur notre Facebook et vous avez notre actualité au jour le jour. Hein. Ok. Et puis nous avons un site internet, wenyiwuné.wordpress.com. Ok. Où là également, il y a de quoi voir tout ce que l'on fait. Toute notre actualité, puisque nous participons à la Vogalonga, qui est la plus grande course de bateaux à rames au monde. D'accord. Qui se passe à Venise, avec 7000 participants. Ok. Et donc nous avons... Événement exceptionnel que nous organisons. Voilà, que nous organisons. Donc on y va le plus souvent possible. Nous avons déjà été 4 fois, je crois, c'est ça? Oui, 5. 5 fois, je ne sais plus. Je me perds. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, exactement. Parce que c'est vraiment une course formidable. 7000 participants, de la rame à droite, à gauche, en haut, en bas. on fait 20 km sur la lagune. Okay. Et c'est vraiment formidable. Donc là aussi, on met souvent nos petits reportages, nos petits documentaires que l'on fait sur ces participations sur le site internet. Donc vous allez à toute notre actualité et tout ce que l'on fait. Mais le rendez-vous de... Le plus important, c'est dimanche. C'est ce dimanche, oui. Voilà. Voilà, et pour le reste, il y a Facebook. Voilà, oui. En tout cas, merci d'être passé. Si vous aviez un dernier message, voilà, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Dominique, Haïti, Saint-Barth, la caméra est juste là, et même Haïti, et même Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, I see you. Oui, on fait coucou à Sainte-Lucie, Krishna. Oui, Krishna, le Sainte-Lucie, on a une petite délégation qui a pu à partir rencontrer les Saint-Luciens et en particulier Krishna. Donc un gros coucou à Krishna et j'espère qu'elle pourra venir bientôt nous rejoindre parce qu'on a organisé également avec des Canadiennes un événement international autour de la rame et de la vie après le cancer en Guadeloupe déjà. Okay. Mais on en reparlera dans notre émission. Exactement. Et vous allez revenir sur le plateau. On veut en savoir plus parce que là, on n'a pas le temps de tout savoir. Voilà, on a beaucoup de choses à dire. Exactement. En tout cas, on retient que dimanche 27, ça se passe dans les rues de Pointe-à-Pitre. Voilà, dimanche 27 octobre, en Dubout. Dans Pointe-à-Pitre avec Akiyo. Et venez à 7h pour la cérémonie du bonjour, parce qu'elle n'a pas voulu me dire ce que c'était. Apparemment, il faut venir sur place, la cérémonie du bonjour. Ça se vit, en fait. Ça se vit. On ne peut pas la raconter, il faut vivre. Ça ne se raconte pas, voilà, il faut le vivre. Voilà, tout simplement. En direct. Simplement. Donc, venez, vous serez tous les bienvenus. On viendra, en tout cas, longue vie à vous. Merci pour le travail que vous faites et rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche. À bientôt. Eh bien, nous, on se donne rendez-vous déjà demain pour un autre, bien sûr, épisode de ETV Service. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires qui m'habillent à Basse-Terre et qui me rendent mes vêtements clean au moule. Eh oui, tout s'affiche. Encore une fois, Wenyi Wuné, merci et à dimanche. Merci à vous.
téléspectateurs, merci et à demain sur ETV.